Nous venons de la rue de Beaugaillard. Bienvenue au 32, au domaine de Roidemont. Donc, nous voici au fond de l'avenue, au bout de 50 mètres. Vous garez votre voiture sur ce parking. Il y a à peu près 9 places. Nous sommes maintenant à l'entrée du manoir. Veuillez me suivre. Voici le salon avec ses meubles d'époque où vous pourrez prendre un café. Nous sommes dans la salle à manger datant du XVIe siècle. Vous avez une cheminée monumentale qui agrémentera vos repas durant les longues nuits d'hiver. On peut attabler 14 convives sur la grande table. Voici la cuisine et ses équipements. Voici la chambre du closier avec un lit deux places et un lit une place. Un petit lit pour le bébé. Voici la chambre bleue avec deux lits une place plus un lavabo. Donc maintenant nous sommes à la salle de bain avec son équipement. Voici la chambre à la tapisserie avec deux lits deux places et deux lits une place. Alors de ce côté-ci, on a un lit une place, deux lits encore une place. Et puis par ici, on a encore un lit une place et un lit deux places. Voici la chambre à la poupée avec son coin d'eau et son lit simple. Voici la chambre de jouer avec son lit simple. Voici la chambre des Templiers et son lit double. Nous sommes dans le haut lieu de Roidemont, une petite tourelle au fond de la terrasse avec au-dessus le chapeau florentin. Nous allons rentrer. Quatre vitraux de l'Aubin de 1869 éclairent cette chapelle qui avant était un pigeonnier.